Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, vous allez savoir comment bien régler votre caméra chasse pour faire de belles vidéos. Là on est en 4K, vous voyez des chevreuils qui passent ici en arrière-plan, derrière tous les buissons. Pourtant on les voit quand même, ça, la caméra les a détectés. Donc s'il y avait eu moins d'arbres, on aurait cru que la caméra se déclenche toute seule. Pourtant non, la caméra, si vous l'avez bien réglée, elle se déclenchera jamais toute seule. Alors installez-vous bien, je vais vous expliquer tout ça. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne la caméra chasse Campark TC22. Dans la vidéo précédente, vous avez montré la caméra et expliqué un peu ses caractéristiques techniques. Là, nous allons voir comment bien faire les réglages, histoire de l'utiliser correctement et au mieux. Mais avant d'oublier, un petit like, ça fait plaisir, ça motive, on s'abonne si ce n'est pas encore fait, et puis la petite cloche, ça permet de ne rater aucune vidéo lorsque j'en sors une nouvelle. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on fait déjà? On ouvre la caméra, enfin la trappe. Pas besoin de mettre de pile puisque c'est avec un panneau solaire. Par contre, pensez à mettre une carte mémoire. Donc la carte mémoire est dessous, c'est une carte SD. Hop. Moi j'ai mis une 32 Go. Vous mettez dedans. Et une fois que vous êtes prêt, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On allume la caméra. Avant de démarrer, regardez les boutons qu'il y a. On va mettre ça comme ça, bien corps, bien stable. Voyons déjà les boutons du menu. Donc menu, c'est pour aller dans le menu. Replay, pour voir les photos et vidéos. Gauche pour aller à gauche, droite pour aller à droite, en haut pour aller en haut. Et là pour aller en bas. Ok pour valider, mode pour choisir et shot c'est pour prendre des photos en direct. Le petit bouton complètement à gauche, off c'est éteint. Au milieu, setup c'est pour faire le réglage et on c'est pour activer la caméra. Maintenant que vous savez tout ça, on va pouvoir allumer la caméra et voir en détail ce qui se passe. Attention, j'approche la caméra. C'est parti, on allume, je vais la découvrir en même temps que vous. Logo plutôt sympa. Premier démarrage, qu'est-ce qu'on fait? C'est plutôt bien. Ça propose direct de choisir la langue. Bon, ça, j'adore les caméras qui font ça. C'est quand même mieux. La date, on est en 2023. Ça, c'est bon. On est, par contre, en juillet. Juillet, et on est le 29 juillet. Il est 15h38. Donc, on va mettre 15h38. D'habitude, je fais ça la nuit et là, il pleut dehors, donc voilà, j'en profite. Et 15h39 maintenant. Et ça change vite. Donc, une fois que c'est bon, hop, on descend. Là, vous avez année, mois, jour. Donc, bah, moi, je préfère mettre. J'ai pas pu, j'ai appuyé sur OK, j'aurais pas dû. Bon, bah, déjà, ça propose, comme elle est neuve, de formater la carte mémoire. On va faire OK. Et on va retourner sur la date après pour le voir. Bon allez, on appuie, je vous montre, sur la touche menu, on se retrouve dans le menu. Maintenant, réglage mode, par défaut, c'est directement que photo. On peut choisir de faire que des vidéos, ou alors photo plus vidéo. À chaque fois, on valide avec OK. Donc moi, je veux faire photo plus vidéo, donc je valide. Pire intervalle. Donc ça, c'est le déclenchement. Entre chaque le temps entre chaque déclenchement, je vais mettre le minimum. Minimum, c'est 5 secondes. Voilà, sensibilité milieu. Bon, bah, on vous teste milieu, vous voyez si ça va ou pas. Lorsqu'il fait vraiment très chaud, qu'il y a beaucoup de soleil et que vous avez des branches qui bougent, de l'herbe, il peut y avoir des déclenchements pour rien. Vaut mieux mettre faible seulement à ces moments-là. Faites des essais, mais essayez au départ avec milieu. Laps de temps, on va voir ce que c'est. Activer ou désactiver, alors on va mettre activer. Intervalle de temps, alors là, la traduction est toujours bizarre. Laps de temps, qu'est-ce que c'est?
Eh ben, la traduction ne veut rien dire. Je regarderai, je vais le mettre en anglais et après je vous le dirai dans la vidéo. Mode de vision nocturne. Auto ou plus de couleurs. Ah, c'est marrant ça. Je vais laisser sur auto. Là, je ferai des essais pour voir ce qui est le mieux. Pareil pour les LED infrarouges. On peut choisir auto, milieu, faible ou désactivé. Batterie faible de nuit. Aucune LED. Alors ça, c'est quand les batteries sont faibles, on peut choisir de rien, de pas allumer les LED ou de pas faire d'enregistrement. Moi, je vais choisir aucune LED. Période de surveillance. Désactivé ou activé. Si on met activé, en fait, voilà ce que ça va mettre. Vous allez avoir des périodes. Alors, démarrage, alors, il y en a combien? Il y en a deux. Alors, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de caméras, il n'y a qu'une seule période. Si vous avez envie de filmer juste des animaux nocturnes, bah vous allez mettre des heures qui correspondent juste à la nuit. Si vous avez filmé juste la journée, bah vous désactivez la nuit. Là, comme il y a plusieurs périodes, on va pouvoir faire, bah, imaginez, vous mettez le matin, juste les heures de travail, par exemple 8h30 midi, et ensuite on reprend 14h, 18h. Voilà, là vous allez surveiller que pendant que vous travaillez. Le reste, vous n'avez pas besoin. Vous voyez, il y a plusieurs. Minuterie 1, minuterie 2. Bon, allez, moi je le désactive, j'en ai pas besoin. Parfois, ça peut être sympa. Hein. Je l'utilise par exemple dans les endroits, sur mon jardin, quand je filme. La journée, il y a beaucoup d'oiseaux, d'insectes, ça se déclenche tout le temps. Donc je désactive la journée et je filme que la nuit pour voir les animaux qui viennent dans le jardin. Et ça, je vous montrerai une vidéo prochainement. Vous allez être surpris. Période de surveillance. C'est ce qu'on vient de voir. Configuration pire latérale active. Alors là, c'est pour si vous voulez déclencher, qu'il y ait des déclenchements lorsqu'un animal ou un individu passe de gauche à droite ou de droite à gauche. Vous pouvez le désactiver. Puisqu'en fait, imaginez... vous savez que si ça passe de ce sens-là, ça va être des personnes qui vont passer en courant. Enfin, des personnes, des animaux qui passent en courant, vous allez les avoir souvent flous ou rien du tout. Vous pouvez le désactiver. Ça dépend de l'endroit, comment vous utilisez la caméra. Alors, fréquence. Donc, voilà, configuration. Donc, je l'ai laissé sur active. Fréquence, 50 Hz ou 60 Hz. Alors, moi, je mets sur 50 Hz puisqu'on est en Europe. Et en France surtout. Alors qu'est-ce que ça permet? Bah, c'est la fréquence, l'écran. Si je filme l'écran et que je suis en 60 Hz, ça va scintiller, alors qu'en 50 Hz, ça va pas scintiller. Parce que nous, on est à 25 images par seconde en France. Donc voilà, là, on est dans le menu de configuration. Là, à côté, vous avez une photo. C'est-à-dire qu'on ira dans le réglage des photos. Ensuite, le réglage de caméra, donc pour les vidéos, et l'autre configuration. Donc maintenant on va dans photo, taille des images. Alors il y a c'est un double objectif, donc on aura des résolutions différentes. Je vais mettre la plus grosse pour la journée et la plus grosse pour la nuit. Vous voyez que la nuit c'est moins bonne résolution, normal. Numéro d'image, combien de photos on peut faire? Jusqu'à 10 séquences de photos. Moi je vais laisser sur 3. Vitesse d'obturation, bah, je laisse par défaut ce qu'il propose, là il faut être un peu photographe. Ça va être la vitesse à laquelle va ouvrir l'objectif pour les photos. Faites des essais selon où vous enregistrez, ça peut avoir des différences de qualité. Résolution de la vidéo maintenant. La journée, bah, je vais me mettre sur du 4K. Hein. Toc. Et la nuit. La nuit, on est du Full HD. Toc. Voilà. Durée vidéo. Moi, j'aime bien faire des vidéos de 30 secondes. Après, c'est vous qui mettez selon ce que vous avez besoin. Toc. Acoustic record. Bon, bah, là, ils ont oublié de traduire. Donc, c'est enregistrement du son. Donc, je laisse suractiver, puisque j'aime bien voir le son qui se passe. Même s'il n'y a pas les animaux, on entend... les bruits autour, ça peut être sympa. La journée, vous entendez les oiseaux, vous entendez plein de bruits. Paramètres par défaut, voilà, c'est pour remettre la caméra dans son état quand vous l'avez reçue. Format, c'est pour formater la carte mémoire. Donc, vous voyez, ça nous l'a proposé quand elle était toute neuve, le premier démarrage. Si vous changez de carte mémoire ou vous avez pris des photos, vous la remettez,
bah, vous pouvez retourner dedans. Regardez, ça prend pas beaucoup de temps et c'est quand même une sécurité. Daté heure, on l'a fait au début. Format de l'heure, bah, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Non, 24 heures, on peut mettre sur 12 heures. Alors je vais retourner dans daté heure puisque tout à l'heure j'avais pas eu le temps de finir. Regardez en bas, j'avais appuyé sur OK au lieu d'aller sur la flèche vers la droite. Voilà, donc là on est sur année, mois, jour. Mois. Et mince. Comment qu'on le change? Voilà, c'est avec la flèche du bas qu'on le change une fois qu'on a sélectionné. Donc moi je veux jour, mois, année. Mais je clique sur OK pour valider. Voilà, maintenant c'est mieux. Marque date active. Là, c'est pour écrire que la date marque en bas des photos et des vidéos. Bip sonore. Vous entendez que ça fait un petit bip à chaque fois que je change de touche. Vous pouvez choisir qu'il n'y ait pas de son ou qu'il y ait du son. Nom de la caméra. TC22. Bon, bah, c'est le nom de la caméra. Moi, ça me plaît bien. Mais vous pourriez donner un autre nom. Réglage du mot de passe. Selon où vous la mettez, il est bon de mettre un mot de passe. Moi, je mets toujours des mots de passe. Mais là, pour les essais, je ne vais pas en mettre. Il y a une application qui fonctionne avec cette caméra. Donc pour l'application, on peut mettre aussi un mot de passe pour l'application. Moi, je le laisse désactiver. Vous avez peu de chances que quelqu'un vienne, connaisse votre caméra et récupère les données à distance. S'il fait ça, ça veut dire qu'il pourrait aussi prendre votre caméra, ça veut dire qu'il connaît. Donc je ne sais pas trop à quoi ça sert. Alors, auto Wi-Fi désactivé. Comment on l'active? Je fais une petite manœuvre, une fausse manœuvre. Auto Wi-Fi, tac, arrêt automatique. Voilà. Au bout de 2 minutes. Donc ça veut dire en fait, mise en veille automatique. C'est ça la traduction. Au bout de 2 minutes ou de 1 minute. Au bout de combien de temps vous voulez que le Wi-Fi se désactive quand vous ne l'utilisez pas? Ça c'est pour protéger les piles. Je vais laisser comme c'était. Arrêt automatique, au bout de 3 minutes sans toucher à la caméra, ça s'arrêtera tout seul. Rétro-écarrage, pareil, au bout d'une minute, il s'arrêtera. Soutien technique. Alors on va aller voir, et voici l'adresse email qui devrait répondre à tous vos problèmes techniques. Version, si vous avez besoin de contacter le support technique, bah vous dites la version que vous avez, il peut y avoir une mise à jour, ou ça leur permettrait de savoir ce que vous avez comme firmware. Et voilà, donc là on a tout vu, et dans... Non. On va faire un test de photo. Donc là, on est sur setup. Je vais mettre un peu plus en arrière, histoire que vous montrez bien la caméra. Ah. Là, en haut, on est sur la caméra. Si on veut changer, on peut appuyer. Alors, si on fait sur shot, allez, tac, on a pris les photos. Vous voyez, j'ai pas si la main. Si on se met sur vidéo. Alors maintenant, il faut se mettre sur vidéo. Où est-ce qu'il est, vidéo? Changer d'objectif? Non. On va dire oui. Hop, on redémarre. Maintenant, si je fais shot, toujours pareil. Oui, j'ai mal lu. Allez, je vais même mettre les mains devant. Tac. Je retourne, il faut changer ici en mode. Voilà, il est là 4K et là 60 mégapixels. Donc en fait, c'est avec le bouton en bas. Si vous appuyez sur mode 60 mégapixels, ça veut dire que vous êtes en photo. Si vous appuyez sur mode, vous avez là 4K, ça veut dire que vous faites une vidéo. Si j'appuie sur shot, regardez là, je suis en train d'enregistrer. Je passe ma main devant, hop, voilà. Là, j'ai enregistré. Si je veux arrêter d'enregistrer, j'appuie à nouveau sur shot. Si je veux voir ce que j'ai filmé et les photos que j'ai faites, j'appuie sur replay. Toc. Là, on est sur une vidéo, vous voyez. Si je vais gauche ou droite, non, c'est haut. Et on a fait 7. Chaque fois que je vais appuyer en haut ou en bas, je vais aller sur les photos et les vidéos. Vous voyez, voilà. Alors, la vidéo, on va la lire juste pour voir comme ça. Le son semble pas mal. Si on appuie sur menu, ça fait, ça arrête. Voilà. Et là, on peut continuer. Si vous voulez supprimer la vidéo, bon, cette photo-là,
On appuie sur menu, on a effacé, on appuie encore, on peut effacer le courant, c'est-à-dire celle qui est actuellement qu'on voit, ou effacer tout. Moi je ne vais pas effacer, je vais peut-être les garder lors du test pour pouvoir les montrer. Là en bas, jour, nuit, pour choisir l'objectif à laquelle on va faire les photos et vidéos là en direct. Donc là, regardez, si on appuie, vous voyez là, on est en couleur derrière. Changer d'objectif, ça veut dire que ça va redémarrer. Donc je fais changer, ok. Ça va redémarrer, on va voir si on sera en couleur ou en noir et blanc. Bon là, je suis avec un éclairage, avec la lumière de la maison, donc ça va être pareil. Visiblement, on a changé d'objectif. Par contre, rien ne le montre. Vous voyez. On va faire sans les lumières, mais si je mets pas les lumières, on verra pas la vidéo. Bon, maintenant c'est simple, une fois que vous avez tout vu, si vous voulez mettre la caméra en mode enregistrement, poussez le bouton complètement à droite et vous avez 5 secondes avant qu'elle se déclenche. Ça va être en mode enregistrement. Donc là, je vais passer la main pour histoire de voir. Donc ça va faire des photos et des vidéos. Alors comme c'est une vidéo de 30 secondes, hein, vous revenez auprès de la caméra, vous éteignez et vous la remettez, une fois qu'elle est éteinte, vous la remettez en route en mode setup. Oui, ça veut dire au revoir. Donc là elle est allumée, pour voir les photos ou vidéos qu'on a prises, on appuie sur replay. Voilà. Et là, c'est la photo qu'on a prise, on peut bouger. Là, je suis en train d'enregistrer. Je passe ma main devant. Voilà. Menu, on arrête. Je pense qu'on a fait le tour, on a tout vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, dans une prochaine vidéo, on verra comment fonctionne l'application. Pour terminer cette partie sur la configuration, je vous montre un petit peu mes lapins au lever du jour. On peut voir qu'il y en a trois là qui sont dans l'enclos. Bon, il y en a encore dehors, il y en a encore dedans, vous allez voir, mais ça c'est autre chose. Alors surtout, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Et puis bah, si vous ne l'avez pas encore fait, le petit j'aime, ça me motive, on s'abonne et puis la cloche. Comme ça, vous recevez un message dès que je poste une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera beaucoup plus courte puisque ça sera pour vous montrer comment connecter la caméra chasse au Wi-Fi de son téléphone. Vous verrez, c'est super simple. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite. Salut !